Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo à Los Angeles. Et oui, aujourd'hui nous partons, ça y est, de la Californie et nous allons en Arizona. Donc on va faire 6 heures de route, 6 heures de route pour aller à Williams. Donc voilà, ça va être une petite ville. Cette vidéo elle va être rapide, hein, il y aura beaucoup de routes. Moi je vais conduire donc je ne vais pas forcément filmer. Et après nous allons je vais voir pour filmer un peu la petite ville. Vraiment je crois William c'est vraiment une petite ville typique américaine et ça je pense que je vais adorer ça. Et voilà, donc allez, on y va. J'adore, c'est génial. Je kiffe ce magasin en vrai. Je vais dormir ici moi. C'est quoi ça? Wesh! Elle est trop bien ce magasin. C'est un magasin où on paye des cigarettes. C'est un magasin de cigarettes. Et il y a à manger là. Ils vendent à manger. Regarde, ça brille. Il y a de la musique. Et il y a tout en fait, il y a même de la drogue, carrément. C'est trop kiffant ce magasin. Ils vendent des sacs et tout, c'est énorme ce magasin. Putain. Et la lumière et tout, c'est propre, c'est tout ça. Franchement, elle était trop bien ce magasin, donc on va aller. Ça y est, c'est terminé la Californie. On s'en va d'ici. Allez, c'est parti. Par contre, il fait très chaud ici. Hein. Ouais. Putain! Bon, là, on s'est arrêté pour l'essence. C'est bon, t'as les 100 dollars? Ouais. On s'est arrêté pour l'essence en plein désert. T'as ouvert le truc? Non, ah non, merde. Je sais pas où c'était pour ouvrir. Ah, c'est bon. Il fait très chaud. Hey, il y a un peu de vent quand même, hein. Attends, je vais... Il y a un peu de vent. Hein. Mais putain, en plein désert comme ça, c'est... Wow. Allez, c'est petit là-dedans. C'est petit là-dedans. Hi. Oh, il fait meilleur ici. Ça sent bon. Putain. Ouais. Bon, maintenant ça va être Fabien qui va conduire, moi je vais être derrière, je vais pouvoir filmer un peu la route. Il nous reste à peu près 400 km et on devrait arriver à 21h. Là il est je sais pas, il est quelle heure là? Il est 14h, non? Et plus, on est plus près des 15. On est plus près des 15. Donc ouais, il est 15 et on arrive normalement à 21h. Donc ouais, c'est long. C'est bizarre quand on arrive 7h. Ouais, je comprends pas pourquoi 21h. Surtout c'est de la grande route. Hein. Bon bref, je sais pas. Bon, voilà, allez. C'est bizarre, d'habitude, on n'a pas besoin d'indiquer à quel pont qu'on est. Ouais. We'll be right back.
Bon, on s'est arrêté pour aller manger. Il est 16h, ouais. On va manger tard. Par contre, j'ai les oreilles qui sont bouchées parce qu'on est passé en hauteur. Et les oreilles sont bouchées, j'entends rien. Par contre, il fait très très chaud. Il fait au moins 40 degrés. Oh, d'habitude, je déteste la chaleur, mais avec les paysages, on oublie tout. Voilà. Bon voilà, on est sorti du restaurant. Donc le burger était super bon. C'est pas croyable celui-là. Hein. Il aime bien m'embêter. Hein. En tout cas, on a bien rigolé. Parce que apparemment, je suis blanc ici parce que j'ai pris une crème solaire et ça a séché et je me suis mal. Voilà. Pas arrêté de péter aussi. Et j'ai pas arrêté de péter aussi, ouais. Ouais, bon, je l'ai pas fait ça en direct, mais. Oh l'affreux. Donc c'est un peu la honte, quoi, mais bon, c'est pas grave. Et les frites, c'est fait maison, donc franchement, c'était très très bon. Voilà. Le guide Michelin, tu sais. Guide Michelin. Tout seul, il aurait jamais capté que c'était fait maison. Ouais, ça c'est sûr. De toute façon, tout seul. Bon voilà, on est arrivé à l'hôtel, franchement elle est trop bien. Par contre je vais pas vous montrer cette fois-ci la chambre, hein, ça sert à rien de montrer toutes les chambres qu'on va avoir. Surtout ici on va rester qu'une nuit. Donc on est là à Williams, c'est pour aller au Grand Canyon. Donc demain, grand jour, voilà, ça va être magnifique pour vous. Tout à l'heure on va voir si on peut visiter un peu la ville. S'ils veulent pas, j'irai tout seul. En tout cas, super hôtel. Donc, il y a un restaurant, donc un steakhouse. Il y a une piscine, bah comme l'autre, mais voilà, un peu plus grande. Et y a un spa, il y a tout. Non, pas un spa. C'est vraiment, vraiment pas mal. On dirait un motel de luxe, quoi. Donc, pour cet hôtel, j'avais vu, ils ont payé 86$. Donc ça va pour une nuit, pour un truc. En plus la chambre elle est beaucoup plus grande que l'autre à Los Angeles. Donc là je suis allé chercher la voiture. En fait c'est très très grand l'hôtel, donc je vais me garer un peu plus près. Voilà, regardez, là c'est le restaurant, c'est vraiment pas mal. Et oui, il y a un jacuzzi. Voilà, cherchez le nom. Je perds la tête souvent. Donc là on va promener vite, on va se promener vite fait, je pense. Après, on va se poser, hein, parce qu'on a eu pas mal de routes. Par contre, ça sent très très bon, hein, le restaurant. Putain. On est déçus parce qu'on a mangé, comme vous avez vu, au restaurant déjà avant. Mais si on avait su, on aurait mangé ici, hein, parce que ça sent très très bon. Voilà. Bon, allez, hein, c'est parti. Bon, allez, je vais direction la ville. Tout seul, mes amis donc ils sont restés à l'hôtel parce que en fait demain il va avoir beaucoup de marches. Je sais pas si on me voit parce qu'il fait un peu noir.
Ouais, demain on va faire beaucoup de marches au Grand Canyon. Donc on a décidé, enfin ils ont décidé de rester à l'hôtel. J'ai dit vas-y, je vais juste marcher un petit peu, voir comment ça ressemble un peu la ville. Et après on va voir. Et après je rentre, hein, parce que et je vais chercher un peu les glaces, parce que chaque hôtel en fait on peut avoir beaucoup de glaces, des glaçons et tout ça, pour voilà, vu qu'il fait très très chaud, et ben chaque hôtel on peut avoir des glaçons et tout ça, c'est bien. Allez. Par contre ici à 21h, il y a vraiment personne, il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis un ouf à aller tout seul de nuit, en plus je connais pas la langue, je suis pas fort en langue, voilà, mais j'aime bien aller à l'aventure, voir voilà, voir ce qui se passe, parce que demain on part déjà. Voilà, on est arrivé juste pour aller voir le Grand Canyon, mais j'aime bien voir les villes où on se pose, voilà. Et justement, eux, Fabien et Tracy, ils ont déjà visité, ils sont déjà allés il y a 7 ans ici, à Williams. Moi, jamais été, j'aimerais bien visiter. Dommage, il fait un peu nuit. Oh, les motos là-bas, il doit y avoir des bikers, tiens. Et donc, j'aimerais bien visiter un peu la ville. Même si c'est de nuit, je m'en fous. Oh, ça va. L'hôtel, on voit de loin. Donc ça va. Je vais pas me perdre. Mais oui, j'aime bien visiter les villes. Et en plus ça, je trouve que la ville est très mignon. J'adore. Wow. I may be an old miner, but I got lots of wisdom to show for all my years. For a fair price, I'll share some with you. J'adore. Le bar à côté là, j'adore, vraiment typique, un peu western et tout, j'adore vachement, franchement c'est un steakhouse, hein. C'est un bar et ça fait western, c'est énorme comme bar, j'adore. Oh, regardez, ça fait vraiment vraiment western quoi, regardez, oh putain. C'est énorme. Par contre, il y a des motels. Bon. Je vais aller jusqu'à là-bas. Hello, I don't speak English. I'm French. Oh, it's not a GoPro. I was looking. Yes. Yes. I use a GoPro. Yeah, yeah. So it's a lot of fun to do with. Okay, so you recording and then you drop it down to your phone? Yes. Or yeah. Grand Canyon tomorrow. Yeah, I did today. Yeah, yes. I think I'm gonna go to the northern, not the north rim, but I'm gonna take 64 around to where the tower is tomorrow. Yes. All right. Good to see you. Goodbye. Thank Bye. You Thank you very much. J'adore. Oh, c'est quoi ça?
Oh, un truc de... Sérieux? Sérieux? Attends, je vais passer là, je vais prendre en photo. J'adore. Ah, j'adore les bikers, donc ça, je prends en photo, c'est sûr. C'est énorme, cette ville. J'adore. Oh putain. Ah voilà. En vue sur 66, Arizona. J'adore ça. Hop là, allez, une photo en plus dans ma collection. Il était sympa le gars, mais j'ai rien compris. J'espère qu'il voulait prendre. Je crois que j'ai compris qu'il voulait peut-être que je lui prenne une vidéo. Il me parle de GoPro, donc après, et il m'a montré du doigt. Tomorrow, je sais plus si ça veut dire aujourd'hui ou demain. Dites-moi. Non, tomorrow c'est demain. Demain on part bien au. Je sais plus. Tomorrow? Wow, je sais plus du tout, tu vois. Tellement que je suis nul en anglais. J'adore la nuit, hein, franchement. J'ai bien fait les deux nuits. Mais ouais, je vais montrer quand même la partie à Tracy et Fabien quand il me parle le mec pour comprendre, parce que moi je sais pas parler anglais, mais eux si. Ah, j'adore vraiment, c'est vraiment typique et j'adore, franchement. Je sais pas combien de fois dans cette saison, dans la première saison, je dis j'adore. Ou donc voilà, j'adore. Et ce qui est bien, dans chaque magasin, c'est marqué route 66 et avec le nom du magasin. Ah, par contre, celui-là, wow, Jésus, la croix, oh, je crois que cette vidéo elle va être longue, hein. Avec la route et tout ça, je crois que je vais couper quelques scènes quand on va être sur la route. Parce que là, la partie ici, c'est intéressant, je trouve. De toute façon, la vidéo va être terminée bientôt. Dès que j'arrive à l'hôtel, je termine la vidéo. En tout cas, c'était sympa, cette petite visite. Je suis pas déçu. Ça se trouve plus loin, il y a eu des trucs, mais j'adore. Je vais repasser dans le truc... Au bar, le bar de western là, que j'adore, les cowboys, j'adore ce les cowboys et tout ça. Les jeunes vont me dire, mais pourquoi il a une GoPro et tout? Et moi je suis un fou, moi je vais tout seul, je sais pas parler anglais. Si on pouvait m'apprendre, s'il vous plaît. Je crois au retour en France, je vais apprendre l'anglais, parce que là c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Bon, allez, on se retrouve à l'hôtel pour dire au revoir et après. Mais je repasse d'abord dans le truc western là pour prendre des photos. Et voilà, allez.
voilà, j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, surtout la petite file nocturne. Donc franchement, j'ai adoré la route dans le désert. Et oui, on est en plein désert là, il fait froid le soir, c'est pour ça que j'ai mis un manteau. Donc demain, c'est 8e jour je crois. Je sais plus, ouais, c'est 8e jour, donc ça s'approche de la fin. Voilà, donc demain, Grand Canyon, ça va être génial comme endroit. J'ai hâte depuis le temps qu'on en parle du Grand Canyon. Donc j'ai trop hâte. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Donc mettez un like, j'aime, partager cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.